Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Live. 15 minutes d'infos sur Paris et sa région, c'est tout de suite. Allez, on démarre par les titres de ce lundi 17 janvier. Un hommage unanime a été rendu à Roman Polanski lors des 16e Prix des Lumières, une cérémonie en présence de nombreuses personnalités. Il y avait du beau monde aussi du côté d'Opéra vendredi pour l'avant-première de Largo Winch 2. La sublime Sharon Stone était au bras de Thomas Sisley. Dernière ligne droite avant le grand rendez-vous des Energy Music Awards samedi. Focus aujourd'hui sur les artistes masculins internationaux de l'année. 35 heures, ce n'est pas la durée du temps de travail. C'est aussi celle du match le plus long du monde qui s'est déroulé ce week-end, Porte de Versailles. Et puis côté météo, la grisaille sera encore bien présente ce mardi. Plus de détails en fin de ce journal. Allez, on commence avec du cinéma. Les Césars se tiendront le 25 février au Théâtre du Châtelet. En attendant, le monde du 7e art a procédé à une sorte de répétition générale ce week-end avec le prix des Lumières. Pour cette cérémonie, ce sont les correspondants parisiens de la presse étrangère qui récompensent les meilleurs films français. Vous allez voir qu'un hommage très particulier a été rendu cette année. Le 16e prix des Lumières avait lieu ce vendredi sous les ors de l'Hôtel de Ville, sorte de Golden Globes à la française. Cette cérémonie est l'occasion pour la presse étrangère de récompenser le cinéma français. Une cérémonie particulière puisqu'un hommage émouvant a été rendu à Roman Polanski pour l'ensemble de sa carrière et de son œuvre. C'est un moment émouvant. Je suis bien sûr très honoré. Et surtout, sachant que ça vient de la presse, qui n'était pas toujours mon meilleur ami. Je vous remercie. Au total, pas moins de 11 panthères ont été distribués, dont le prix du meilleur espoir masculin à Antonin Chalon pour « Nos et moi » de Zabou Breitman. Quant au prix du meilleur espoir féminin, il a été distribué à la cubaine Yaïma Torres pour son rôle de Vénus Noire dans le film d'Abdelatif Kechiche. Bon, moi, je suis très contente et très émue. C'est ma première récompense. C'est aussi la récompense d'avoir fait tout ce travail pour tous les gens qui ont travaillé très, très fort pour ce film. Et voilà, moi, je suis très contente. L'autre grand gagnant de la soirée, c'est lui, Xavier Beauvois, réalisateur du meilleur film Avec des hommes et des dieux. Le mieux, c'est pas de recevoir des prix, c'est d'être copain avec les autres, quoi. Quand on est petit, on voit tous ces gens qu'on voit au César, tout ça, et le truc, c'est pas d'avoir un prix, c'est d'être pote avec tous les autres, quoi. C'est ça qui est marrant, c'est ça qui est bien. Prochain rendez-vous des copains du cinéma français avec les Césars, le 25 février prochain. Voilà. Aux États-Unis aussi, le 7e art était à l'honneur ce week-end avec la 68e cérémonie des Golden Globes à Los Angeles. On retiendra que Christopher Nolan est reparti bredouille avec Inception. The Social Network a été élu meilleur drame. David Fincher a d'ailleurs raflé 4 trophées, dont celui du meilleur réalisateur. Natalie Portman, enceinte, est venue recevoir le Golden Globe de la meilleure actrice d'un film dramatique pour son rôle dans The Black Swan. Colin Firth a lui été sacré meilleur acteur dans Le Discours d'un roi. Enfin, côté français, si le concert n'a pas pu s'imposer comme meilleur film étranger, la série télé Carlos a été primée. Prochain événement, les Oscars, le 27 février. Allez, on passe justement à une grande habituée des Oscars. Sharon Stone était boulevard des Capucines vendredi soir à l'avant-première de Largo Winch 2. Nous étions sur place et évidemment, la star s'est arrêtée au micro d'Energy Paris pour répondre à quelques-unes de mes questions. Retour sur une soirée très hollywoodienne. De l'aventure, des scènes d'action incroyables et l'une des plus grandes stars d'Hollywood, à savoir Sharon Stone. Et oui, Largo Winch 2 est sans doute le film le plus attendu de ce début d'année 2011. Dans quelques instants, la première mondiale aura lieu ici, à Paris, au Gaumont Opéra. Toute l'équipe du film va venir fouler ce tapis rouge. Le jour même où j'annonce la création de ma fondation, un procureur débarque chez moi et m'accuse de crimes contre l'humanité. Ça, c'est une coïncidence. La théorie du complot. En conséquence, j'ai décidé d'inculper M. Largo Winch de complicité de crimes contre l'humanité. Tomer, bonsoir. On te sait très proche de Sharon Stone. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur le tournage? Est-ce que tu peux nous le dire maintenant? Il s'est passé une relation d'amitié. Non, il ne s'est absolument rien passé de plus. Et s'il s'était passé quelque chose de plus, évidemment que je ne te le dirais pas. Tout le monde voit une icône, voit une star, voit tout ce que vous voulez, un sex symbole. Moi, je vois une très très grande actrice. Et c'est pour ça que ça a été un très très grand honneur de tourner avec elle, vraiment, très sincèrement. Non seulement Sharon Stone était ravie d'avoir joué aux côtés de Tomer, mais la belle était aussi très heureuse de fouler une nouvelle fois le pavé parisien.
J'adore surtout être dans la rue, dehors, toute l'histoire de Paris, son architecture, la nourriture, les gens. Les hommes, oui, les hommes, bien sûr. Mais les femmes aussi sont magnifiques et très chics. J'adore cette attitude à la française. Voilà, je vous rappelle que le deuxième volet de Largo Winch sera à l'affiche à partir du 16 février. D'ici là, Sharon Stone devrait revenir à Paris. Et oui, la star nous a confié qu'elle aimerait améliorer son français pour tourner beaucoup plus de films chez nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, plus que 5 jours avant l'événement musical de ce début d'année, les Energy Music Awards se dérouleront samedi à Cannes. Et tous les jours jusqu'à la cérémonie, nous vous présentons les artistes en compétition. Aujourd'hui, focus sur la catégorie artiste masculin de l'année. Regardez. Il sait mettre de l'ambiance dans les cérémonies. Au point de faire rire Cameron Diaz, Eminem est nominé dans la catégorie artiste masculin international et Nikos n'a qu'à bien se tenir. La pop espagnole sera également dans la place. Bonjour, c'est Enrique Iglesias, vote pour moi. Et le bel espagnol connaît la chanson puisqu'il a déjà remporté un Energy Music Awards en 2008 dans la même catégorie. Sometimes you need it, then you don't, and you let go. Lui aussi est un habitué de cette cérémonie. En plus, il s'améliore avec le temps. En 2008, nous l'avions déjà rencontré. Non, je parle absolument rien de français. Pardon. 2 ans et une coupe de cheveux plus tard, l'accent s'est amélioré. Votez pour moi, s'il vous plaît. À vous de voir si le Britannique doit surfer sur la vague du succès ou boire la tasse. Enfin, le 4e homme de la compétition, c'est Usher. Et on sait à quel point le succès lui colle à la peau. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side to side. Le danseur, chanteur, producteur est à défendre sur energy.fr. Allez, on enchaîne avec l'actu des célébrités dans la capitale. C'est tout de suite dans le Paris People. C'est l'une des plus grandes dames du rock, Patti Smith, est de passage dans la capitale pour 5 soirées parisiennes entre la Cité de la Musique et la Salle Pleyel. Connue pour des hits planétaires comme Because the Night, Patti Smith est considérée comme la marraine du mouvement punk de la fin des années 70. Après une projection rencontre ce lundi, elle montera sur la scène 4 soirs d'affilée avec notamment un concert acoustique jeudi à la Cité de la Musique. De l'humour sur les pistes, le festival de l'Alpe d'Huez démarre ce mardi dans la station iséroise. Comme à chaque édition, il s'agit de désigner les meilleurs comédie des mois à venir. Cette année, c'est le réalisateur Yann Kounen qui présidera un jury prestigieux composé notamment de Géraldine Nakache, François-Xavier de Maison ou encore Michael Youn. Le film d'ouverture s'intitule Mon père et femme de ménage avec en tête d'affiche François Cluzet. On termine avec un imitateur adulé depuis quelques années, Nicolas Canteloup s'apprête à remonter sur les planches parisiennes. Après le succès de son spectacle Deuxième Couche qui a attiré plus de 500 000 spectateurs, l'humoriste rempile avec un nouveau one-man show, Nicolas Canteloup n'arrête jamais. Rendez-vous donc à l'Olympia du 9 au 24 avril. 35 heures de jeu, un score de 594 à 532. Le match de foot organisé ce week-end, Porte de Versailles, a battu tous les records. Organisé pour fêter les 35 ans des fameux albums Panini, l'événement a rassemblé de nombreuses personnalités et notamment d'anciens grands joueurs. Alexandra Lamy. Le match de tous les records a tenu ses promesses. Le précédent record de 32 heures pour un match de football a été battu. Pour célébrer les 35 ans des albums Panini, plus de 400 joueurs se sont succédés pour atteindre la barre des 35 heures de jeu. Bah écoute, les 35 heures, c'est un sujet qui fâche un peu en ce moment. Donc je trouve qu'un match 35 heures, c'est moyen. Mais bon, voilà. Non, 35 heures, c'est génial. Non, le plus long que j'ai fait, ça doit être 2-3 heures, mais déjà... Ça m'arrivait quand j'avais, surtout quand j'avais 10 à 13 ans, les 10 à 13 ans. Dans la rue au Brésil, moi j'avais déjà arrivé de jouer 4-5 heures de suite et on jouait tous les jours. Et c'est sûr que quand on est gamin, on a tous fait du sport, du foot ou en tout cas pour moi du roller. Ça m'est arrivé de passer des nuits à la rampe et pas m'arrêter une seconde. Pour info, les Rouges ont battu les Jaunes 594 à 532 et quand on sait qu'à chaque but l'association de rail empochait 10 euros, on est content de savoir qu'ils ont joué autant. Et puis c'est aussi l'occasion de revoir l'une des gloires du PSG et on peut dire qu'il a encore de beaux rêves.
Allez, on passe à notre point sur l'actu ciné. Aujourd'hui, on parlera notamment d'un projet pharaonique, l'adaptation de La vie de Cléopâtre. Et vous allez voir qu'Angelina Jolie n'est peut-être pas la mieux placée pour incarner la sublime reine d'Égypte. Après Vivien Leigh, Elizabeth Taylor et bien sûr Monica Bellucci, c'est au tour d'Angelina Jolie de sortir l'eyeliner et de jouer la prochaine Cléopâtre au cinéma. Après s'être vu refuser la réalisation par James Cameron, trop occupé à travailler sur les suites d'Avatar, le producteur Scott Rudin et les studios Sony Pictures tenteraient de séduire l'anglais Paul Greengrass. Celui qui a signé dernièrement Green Zone avec Matt Damon est réputé pour ses scènes d'action et ses intrigues politiques. Et déjà une polémique autour du casting. Selon les récentes découvertes des égyptologues, Cléopâtre 7 aurait plutôt la peau noire. Et si après Angelina Jolie, la distribution s'orientait plutôt du côté d'Halle Berry ou Vanessa Williams? Et on passe à une équipe qui doit encore faire ses preuves. On n'y croyait pas, mais les dieux grecs du choc des titans sont de retour. Malgré la déception du premier volet, Sam Worthington re-signe pour une suite Wrath of the Titans, en français La colère des titans. Edgar Ramirez pourrait prêter ses traits à Ares, le dieu de la guerre. L'acteur vénézuélien de la mini-série Carlos donnera aussi la réplique à Liam Neeson, alias Zeus. Exit, James Franco et Javier Bardem, qui étaient prévus au départ au générique. À la réalisation, les studios Warner Bros. Et Legendary Pictures délogent le Frenchie Louis Leterrier pour y installer Jonathan Liebesman, le réalisateur fou du dernier Massacre à la tronçonneuse. En tout cas, le rôle principal reste lucide. Sam Worthington promet pour sa part qu'il essaiera de mieux jouer dans cette suite. Et le casting du prochain Gary Marshall fait déjà mal aux yeux. Robert De Niro, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank ainsi qu'Ashton Kutcher seront réunis dans la comédie sentimentale New Year's Eve, une galerie de portraits new-yorkais un soir de réveillon de la Saint-Sylvestre. Le succès de Valentine's Day doit y être pour quelque chose. Pour jouer dans le film qu'on présente déjà comme sa suite, le tout Hollywood se bouscule à la porte de Gary Marshall, Zac Efron, Halle Berry, Reese Witherspoon ou encore Jake Gyllenhaal. Dernière sur la liste, Madame Jude Law. Comme les autres personnages, Sienna Miller devra tenter de sauver sa vie amoureuse à l'approche du nouvel an. Et bonne année! Allez, je vais vous laisser maintenant, hein? Allez, je vous propose de terminer cette édition avec une météo complète signée Claire Stenner. Retrouvez la météo avec Le Verger, combustible, chauffage et conseil en énergie. Des nuages qui se déplacent en bande, un soleil qui semble embarrassé au point de se planquer, voilà le topo de la journée de mardi. Même le mercure n'y met pas du sien avec un pâle 7 degrés. Quant à l'après-midi, c'est le pompon, la pluie fait son grand retour, les vilaines gouttes nous attaquent une fois de plus et le mercure traîne et traîne la patte avec 9 degrés. La situation est loin de s'améliorer en soirée, la pluie nous colle au basque ou plutôt aux bottes comme vous voulez et on retombe à 7. Si on regarde d'un peu plus loin, arrosage intempestif par le nord, le sud-ouest n'est pas non plus épargné. Pour le reste, le soleil est loin de prendre des initiatives. Et puis côté mercure, Grenoble va grelotter avec moins 2 degrés. Le thermomètre voit bleu alors qu'il fait 8 degrés du côté de Biarritz en passant par 3 à Lyon. Et comme la peinture blanche, la France a tendance à jaunir au fil du temps. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Le soleil tend à s'imposer l'après-midi. Et le mercure pointe à 16 degrés du côté de Perpignan, 14 en Corse. Pas de grand fracas donc pour la Sainte Prisca, allez, gardez le sourire. C'était la météo avec Le Verger, combustible, chauffage et conseil en énergie. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain en direct à partir de 18h pour un nouveau live. En attendant, les programmes continuent sur Énergie Paris. Excellente soirée à toutes et à tous. Hey, oh.